En fait, mon travail a été beaucoup plus d'aller vers les interprètes, les rôles principaux, pour retirer d'eux-mêmes, en leur racontant cette histoire, tout ce qu'ils pouvaient apporter d'un peu plus contemporain dans l'interprétation. Il faut savoir que ce rôle est un rôle important au point de vue interprétation. Liffard, quand il l'a repris en 1932, à l'Opéra de Paris, on a créé un rôle beaucoup plus dramatique dans le deuxième acte. C'est ce que je voulais avoir de mes interprètes sur scène. Et puis dans le premier acte, ce que j'ai changé, c'est à la création, il y avait un pas de deux qui s'appelait le pas de deux des vendangeurs. Et là, dans ma version, c'est un pas de six. C'est en fait essayer de faire danser un maximum de danseurs de la compagnie pour voir leur évolution sur scène. Thank you.
Thank you.
Thank you.
Thank you.
Thank you.
Thank you.